Tout le monde doit s'intéresser à la restauration du couvert forestier ivoirien. C'est la raison pour laquelle le commandant Kwasi Yao Damas, chef du cantonnement des eaux et forêts d'Adiaké, s'est rendu vendredi 23 juin au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Il y a rencontré les auditeurs du groupe 23, formés sur le management de l'administration publique et du leadership transformationnel. Ensemble, ils ont procédé à un planting d'arbres. C'est un honneur pour nous, auditeurs du groupe 23, regroupant les agents de plusieurs ministères, de participer à ce planting. C'est le lieu pour nous de remercier Madame la ministre de la fonction publique. Deux types de plantes ont été mises en terre. Il s'agit du élan-élan et du jambosier rouge, communément appelé pomme d'eau. Un planting d'arbres qui s'est fait sous la supervision des agents des eaux et forêts, mais aussi en présence de Savadogo Boubacar, ministre burkinabé des Sports, de l'Emploi et de la Jeunesse. En Côte d'Ivoire, le gouvernement invite les populations à s'inscrire dans tous les projets de reboisement. Objectif, relever le défi de ramener la couverture forestière à 20% d'ici 2030.